Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, allez, test d'endurance avec la Navi. Alors là, c'est la N65. Elle est trop stylée. Avec ses gros tubes comme ça, il y a un gros frein à l'arrière, ça freine super bien. Le moteur, ça va. Batterie, alors c'est la même batterie que l'autre, que la celle qu'on avait testée juste avant. Donc elle annonce autant de kilomètres, donc on va pas faire 65 kilomètres aujourd'hui, bien qu'elle les annonce, hein. Mais on va déjà aller dans un café, on va essayer de voir ce qu'elle peut donner, parce que moi je pense qu'elle fait, comme elle a le BMS, qu'elle a la même batterie et la même électronique que l'autre, à part que le look est un peu différent, là vous voyez il n'y a pas de suspension à l'avant et à l'arrière, par contre les pneus c'est du 10 pouces, ok, comme l'autre, par contre la largeur vous voyez c'est du 3 pouces, donc les pneus sont beaucoup plus larges, beaucoup plus tout terrain. Donc voilà, plutôt sympa. J'ai mis mon sac à dos, comme toujours, j'ai pris mon kawaii. Si je prends pas mon kawaii, il pleut. Si je prends mon... Vous voyez comme c'est une bonne technique pour... On va essayer de passer par là-bas, directement d'attaquer dans le dur en mode off-road. Si je prends le kawaii, il pleut pas. J'ai pris le chargeur aussi, au cas où. Hein, pour l'instant, on est sur... Alors attends. Ah, pourquoi il s'est enlevé? Pourquoi il s'est enlevé GPS? C'est nul. Là, j'ai oublié d'appuyer sur play. Je vais mettre là, pour attendre qu'il passe avec son 4x4 de merde, là. Voilà, là, 11 km. Mais 11 km, je crois, on va couper par la route, là-bas. Voilà. Donc, on va essayer tout de suite, vous voyez, un peu dans le dur. C'est-à-dire que, bon, c'est pas une trottinette pour faire du off-road, on est d'accord. Mais avec ces gros pneus de 10 pouces par 3 pouces de large, moi, j'y crois, tu vois. Et puis, ça permet de tester un peu le... Voilà, là ça monte sévère, en plus vous voyez il a plu cette nuit, donc c'est relativement la terre est souple, voilà, et puis voilà, si elle monte, ça monte pas, mais ça permet, vous voyez, là je pars de presque de zéro, hop, on la fait monter un peu, on va en faire galérer un peu, tu vois, oh la vache. Elle s'est arrêtée, elle s'est un peu mise en sécurité, genre il est tombé. Hop là, ici, ça c'est bon, on remonte. Putain, ça marche bien, ça marche. C'est pas fait exprès, mais les pneus, en fait, comme c'est des pneus à chambre à air, ou des pneus tubeless, je sais pas, il y a une valve. Putain, ça monte bien, hein. Ah, c'est bien. On va sauter un peu. Attends, un peu plus à droite. Voilà, allez, c'est bon. Ouf, dis donc, quelle aventure. Eh ben, écoute, ça s'est plutôt bien passé. Pour cette première partie, ça permettra de rouler un peu, de faire... Ah ouais, mais là, c'est vrai, elle s'est mise en automatique. Et elle s'est mise en régulation de vitesse. Ça veut dire que si je reste 5 secondes à la même vitesse, elle reste bloquée à 25. Donc, ça va pas vite, hein. Ça va, ça cartonne à 25 km/h et tout, c'est pas fou. Mais, pas besoin d'aller plus vite pour se faire mal. Mais ça permettra de se taper 10 km comme ça, d'avoir un petit retour au bout des 10 km, un petit bout de confort et tout, et là on a vu pour l'instant off-road, c'était plutôt efficace. Et puis après, une fois qu'on sera au bord du lac là-bas, on fera les plans de coupe avec la caméra 360 pour la review. J'ai serré mon casque. La dernière vidéo, c'était la trottinette de 8000 watts, quoi. Et là j'étais à 70 dans la montée, quoi, tu vois. Alors que là, bon, bah, 25 km/h au compteur. Et sur le 23, 24 au compteur GPS et tout. Alors, c'est pas mal, encore une fois, pour se balader. Mais ça sera peut-être certainement comment dire, l'assurance de la longévité et de pouvoir faire beaucoup, beaucoup de kilomètres. On l'aura vu avec le trottinette de 8000 watts. La batterie fait 45 ampères-heure. Le problème, c'est que j'ai tendance à avoiner dessus, quoi. J'ai tendance à, dans les montées, pas de chien, une course, pas. J'ai tendance à aller enquiller, là. Je veux dire, t'es vite à 50-60. Donc forcément, au niveau de la batterie, bah, tu mets un peu sa race. Donc tu vas moins loin que si tu modères un peu ta vitesse comme ça, là. Car là, on est à... On va faire à 25 et on aura vu avec l'autre Navi qu'avec une batterie de 12 ampères et quelques, je crois. Moi, je pensais qu'on allait faire 25-30 km maximum et on a presque fait... on a fait plus de 35 déjà, moi, sûr, et il en restait un peu, c'est-à-dire qu'on peut faire au moins 40 bornes, quoi. Ce qui est beaucoup. 40 bornes, alors ça va pas vite, c'est à 25 km/h, mais en même temps, bah, c'est la réglementation, hein, c'est la loi. C'est 25 maxi, hein, en théorie, chez vous, ici c'est 45. C'est 25 maxi, donc en théorie, tu respectes la loi, tu respectes la loi, et tu peux quand même faire 40 bornes.
Ce qui est ouf. Enfin, tu les feras à pied, tu feras pas. Moi, à la fin, au début, on a fait 40 bornes en 2 heures, je crois. Je les ferai pas à pied. Je me ferai pas un petit road trip de 40 bornes comme ça, à tourner, à aller faire le tour du lac, revenir et tout. Mais en trottinette, t'es un peu en mode balade et c'est plutôt sympa. Voilà. Allez, on va tourner à gauche et puis on va reprendre comme on a pris la dernière fois. Je crois que ça va être quasiment la même route. Hein. Tout doucement. Voilà. Et là, ils vendent des fringues. Voilà. Et des habits de princesse. C'est pas une demi-heure. Ah ouais, mais ouais, j'y vais tout doucement, moi, monsieur. C'est dommage, j'ai pas de mode. Je sais pas vous en France, mais nous, y a pas de mode. Y a pas de mode vélo. Alors là, on est en descente. Est-ce qu'elle va aller plus vite? Ah, 28. Elle prend un peu de. Sauf que j'accélère à fond. Essayer de le bloquer de jouer son soutien. 27, 28. Ouais, en descente. Elle se laisse un peu emporter. Bon, voilà, après, on va tourner à droite. Je vais reprendre la route, putain, qu'est-ce que c'est long. qu'est-ce que ça avance pas. Ça avance pas, mais en même temps. Attends, on va se mettre par là. Attendez, tendre la main. Elle est beaucoup plus stable avec ses roues de 10 pouces. Elle est beaucoup plus stable que les autres. Les autres, dès que lâchaient le guidon, ça avait tendance à justement à guidonner. Et à me faire un peu peur. Là, non, c'est bien. C'est pas mal. Bon ben voilà, c'est parti. Bon ben on a fait quand même une pointe de kilomètre heure. On a fait quand même une pointe à 28. Hein. Je suis un dingue. Dangereux. Et après j'ai peur que si je fais pas les plans tout de suite, après je l'ai dans le cul. Lulu. Voilà. Ok. Ça c'est bon. Ça enregistre. Ou pas. Non, là elle s'est mise en route. C'est bon. Ok. Allez, on va se mettre un peu. Putain, elle est lourde. Lourde la perche. On va faire un peu les plans. On va faire les plans, quelques plans de coupe. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On va en faire une avec la perche en l'air. 1, 2, 3, 4. Ça fait chinois. C'est... Et derrière, il y a toute ma tribu. 8, 9, 10. Ok. On va mettre un peu la perche à l'arrière, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va retenir le guidon. Alors, on va essayer de pas la faire tomber. Voilà. Oh là, elle est bien, là, regarde. On va mettre près de la roue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va essayer de voir si on peut mettre à l'arrière sans me casser la gueule. C'est pas facile, hein. Voilà, c'est pas mal, là. Là, on est bien, regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On va mettre un peu comme ça sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On va mettre la caméra là. M'arrange pas. Oui, une espèce de. On va mettre par là. On va essayer de s'arrêter. Voilà. Oh, joli. Voilà, bon là on a quelques plans plutôt sympas. Oups, reviens là, cocotte. Est-ce qu'il nous reste. On va mettre un peu plus court. On va faire quelques plans un peu plus courts, faut qu'elle le dire. Ok. Oh putain de pollution. Tout pourri. Bon, elle s'est passée. On va laisser partir un peu devant. Ah oui, c'est bien, elle s'est mise à 14. Ah ouais, pas mal. Voilà, comme ça, ça permet de toi de faire un peu. Voilà, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, pas mal.
pourrait mettre encore une là, comme ça, là, sur le côté. Hein. Ouais, c'est bien comme ça. On réaccélère. Allez, vas-y, cocotte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est pas mal. Ça fera quelques plans un peu différents. Ah putain, le problème c'est qu'elle s'est mise en accélération. Oula, on va laisser passer les chiens. Hé, il commençait déjà à dire, il va me cloquer. Je te mets un coup de caméra, moi. Hein. Je te mets un coup de... avec ma perche, chat. On va se mettre un peu en mode... ça fera quelques plans un peu... quelques plans de coupe un peu stylés. On va se mettre là, hein. Ça permettra de filmer devant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on va s'arrêter là. Ranger la caméra. Allez, pour les plans de coupe, c'est pas mal. Encore une fois, le but, c'est... comme il y a quand même 3 trottinettes... Ah, vous voyez, on a, là je pense qu'on a l'accélération et d'un autre côté on doit avoir la récupération d'énergie. On va regarder ça pour le prochain. Voilà, comme ça les plans de coupe c'est bon. A savoir qu'il me reste la petite, la N20 je crois, ou N40. Mais ils la vendent plus. Ils la commercialisent plus. Donc là j'accélère. Ouais, là tu vois, regarde, j'accélère. En fait, ça met l'accélération, ça met le vue-mètre à droite. D'accord ? Ok, et quand je freine, et toi, hop, et ben ça récupère de l'énergie à gauche. Elle est beaucoup plus... elle est beaucoup plus sympa, celle-là. Hein. Même par rapport à l'autre qui avait les suspensions et tout. Comme elle est plus large avec ses gros pneus et ses gros tubes, là, elle a un look beaucoup plus sympathique. Voilà, 25, si on peut se faire mal, mais si vraiment il y a un truc, moi je saute. Hein. Toi, tu sautes par-dessus, tu essaies de te rattraper. Joli, il y a un joli petit lac là. Ah, il y a un joli petit plan d'eau. Tout droit. Putain, lui, il va me croquer. Non, ça va, il s'en bat les couilles. Très bien. Très bien, très bien. Ah, c'est pas mal, tu vois, là, on a vraiment le... Donc là, j'arrête d'accélérer. Ok, et quand je freine, vous voyez, là je freine un petit peu, et ben ça récupère un peu, et si je freine à fond, ouais, on a récupération d'énergie, très intéressant. Ok, tourner à droite, buffalo, non c'est des vaches. Combien il nous reste, cocotte? 5 minutes, 5 minutes, ça fait 10 km, 3 km, elle a compris. Ah, freine. Ça va monter là, tu crois? Ah, ça monte, hein. Ouais, tout doucement, tu vois. Tranquille. Allez, c'est parti. Allez, 3 km. On peut le faire. Le problème, c'est qu'à 25 km/h, tu freines pas des masses, quoi. Il y avait le virage, je me suis dit, je freine ou je freine pas? Mais le problème, c'est à 25 km/h. C'est. Tu vois, tu passes tranquille, quoi. Elle y va doucement. Et pas comme si. C'est dangereux. Voilà. Bon, mais du coup, j'ai dû passer devant la dernière fois ce café là. Il semblait que c'est plus sur une petite route que ça. On verra. Arrête là. T'as pas freiné. Hein. 25 à l'heure. On va se faire de mal. Ah, mais je pense qu'après, ouais. Ah, ouais, 1,4, on tournera à gauche. Enfin, la route sera un peu différente. Ça doit faire un petit bilan comme ça après. Ah, fait 8 bornes. On va faire après 9 km. Pas mal déjà. Hein, elle est très confortable et très stable grâce à ses, alors ses roues 10 pouces, oui, mais le fait qu'elle soit vachement large, le fait qu'elle fasse 3 pouces par rapport aux autres, elle est beaucoup plus stable. Et forcément, bah, un peu plus confortable aussi, puisque voilà, il y a un peu plus de surface au sol et tout, donc ça va consommer un peu plus hein, en énergie et tout, puisque. Mais c'est pas mal. Après, au niveau de la vitesse, elle tient les 25. Tournez à gauche. Ouais, mais elle dit tourner à gauche, mais avec une vitesse. Le problème, c'est que j'avance à 2 à l'heure. je me suis dit, peut-être je l'ai loupé. Non, mais non. Tourner à gauche, là. Ah, je suis jamais passé par là.
Bah écoute, voilà. Comme on roule à 25, montée, descente, vous voyez, elle est quasiment tout le temps à 25. Hein. Tout à l'heure, ça a monté un peu, elle fait son petit 25 tranquille, son petit bout de chemin, c'est le cas de le dire. Ah, c'est joli, là. Hop là, on a gambé 5 secondes, et après, ça permet de lâcher un peu le truc. Là, j'avais mal au bras la dernière fois, putain. Je me suis dit que je vais me découvrir un muscle, là, tu sais, dans l'avant-bras. Celui qui est lié au pouce. Elle est assez sympa, hein. Écoute, je la trouve plus sympa que l'autre. Alors l'autre, c'est l'application Xiaomi, nananana, elle est suspension avant-arrière, elle est plus jolie, elle est beaucoup plus classe. Mais celle-là, avec ses gros pneus, avec ses gros tubes, tu vois, sur le côté, le compteur qui est beaucoup plus complet, parce qu'il est beaucoup plus grand, on voit l'accélération, on voit la récupération d'énergie. Bon, il y a quand même l'application Navi qui est pas mal, hein, malgré tout. Mais je la trouve très sympa aussi, hein. Et je comprends pourquoi c'est la meilleure vente. Celle-là, l'autre est bien aussi, mais pas le même délire. Combien de temps il nous reste? 400 mètres. Ouais, mais le problème, c'est que 400 mètres, la vitesse où je vais, j'ai le temps de voir venir. Hein. Tu vois, là, regarde, ça tourne. Là, en théorie, n'importe quel truc, tu freines. Regarde, hop, on penche un peu. C'est quoi qu'il y a là-bas? Un chien? Je sais pas, j'avais vu un truc. Putain, j'entends des voix, je vois des trucs. Putain, ça se trouve, je suis mort, je le sais pas. Bon, allez, on va aller jusque là-bas, 400 mètres. Normalement, le café. Il y a de la meuf là. Il y a de la meuf. Il y avait de la meuf là-bas dans la petite cabane. Je sais pas si vous les avez vus avec la mer. Là, le truc sur la droite, le café. Oh, regarde comme c'est beau. Là, ça fait une jolie vue. Hein. Ils ont tout défoncé. C'est nul. Bon, ben voilà. C'est pas. Destination se trouve sur la droite. Très bien. Allez. On va se garer à l'intérieur, hein. Je vais me garer comme un motard. Je vais mettre à l'intérieur. Allez, on va se mettre à l'arrière. On va se mettre dedans, comme les vrais. C'est pas un parking là, pour les bagnoles. On va se mettre à l'arrière. Allez, hop, ça va être pas mal. Il y a les vélos là. Je peux me mettre là avec les vélos. Regarde, trop bien. Allez, on va se mettre là, on va manger un bout. Puis après, on retournera en balade. Je vous dirai où. Je vous dirai quoi. Voilà, c'est bien, ça fait une jolie photo là avec le café et tout, ça va être sympa. Et bonne journée, bah voilà. Histoire, y a pas moyen de. Ah bah voilà, mais ça, vous mettez la casquette là. Bon, c'était bien. C'était pas exceptionnel comme repas, mais en plus c'était cher, 350 bahts, je crois presque 10 balles. Quoi. Ouais, certainement 10 balles. Alors que bon, c'était pas un espèce de truc anglais là, enfin, américain. Il y avait du riz, du jambon. Truc qui ressemblait à du jambon et tout, ouais, c'était pas. Ouais, voilà. Après, voilà. Encore une fois, tu payes le cadre, hein. Tu payes le cadre où t'as quand même une vue qui est. Alors là-bas derrière, je sais pas. Mais là, voilà, t'es intérieur, t'as la clim, t'as la vue et tout. Forcément, tu payes un petit peu ça. Voilà. Alors, j'ai oublié mes lunettes de soleil. Enfin, mes lunettes jaunes. Voilà. Donc là, bon, j'ai mis sur Instagram pas mal. Prochaine étape, 5,7 km. Alors, est-ce que c'est par là? Bon, j'ai envie de dire oui. Dans le lac, si le lac il est comme As, ah, c'est à droite, d'accord. Aller vers le nord-est, et genre comme si t'es allé vers le nord-est, genre t'es pris pour une boussole ou quoi, genre comme si je savais où c'était par là. Ah, ça a l'air pas là. Bon, c'était pas mal, pas mal. On a quand même fait 11 km, hein. 10 ou 11 km à l'aller. Là, la prochaine étape, il y a 5, presque 6 km, ça fera 17. Pas vrai, 17. Putain, que ça avance pas. ça me surprend à chaque fois. C'est autant la trottinette 8000 watts, j'étais surpris parce que ça envoyait du steak à chaque fois que j'accélérais. Autant là, je suis surpris parce que t'as l'impression que je suis en première et que il faut passer la deuxième, quoi. Mais non, c'est 25, quoi. Mais en même temps, j'y réfléchissais pendant que j'étais en train de manger, parce que oui, je peux manger et réfléchir. Ouais, je sais, ouais, bah écoute, je suis quelqu'un d'exceptionnel. Et de modeste. Je me suis dit, tu vois, à pied, je le ferai pas. Je ferai pas une journée où je me dis, tiens, si je me faisais 30 bornes dans la journée, 30 bornes pour aller dans un café qui est dans la. Tu sais, je pense à par exemple aux mecs qui n'ont pas de permis ou qui n'ont pas de voiture ou tu sais, mais qui ont envie, même en Thaïlande, hein, de se balader et tout.
de dire tiens, j'irais bien à ce bord-là. Alors c'est pas très loin de Pattaya, mais de Pattaya, de chez moi, il y a déjà 10 bornes. En fonction de l'hôtel, il y a vite 15 bornes, quoi. Et faire 15 bornes à pied, tu les fais pas. Pour venir là. Mais là, en trottinette, tu te dis, ouais, j'ai... Alors, on a vu, moi, j'estime une bonne quarantaine de kilomètres. 40 kilomètres, toi, tu viens là, il y a quand même un endroit qui est super sympa, quoi. Et t'es complètement dans la pampa et tout. Là, on va dans un autre truc. Alors, il y avait un truc, c'était Melon... Melon, je sais pas quoi. Melon Farm. En même temps, il n'y avait pas marqué café. Hein. Il y avait marqué melon. J'allais le retrouver dans une ferme à melon ou à pastèque, donc ça, c'est pas le but. Donc on va plutôt aller dans un autre café, donc j'ai complètement oublié le nom. Mais de toute façon, on s'en fout, parce que le but c'est de rouler un peu. Mais le cadre, vous serez d'accord, le cadre est incroyable. C'est très très joli. Après, c'est pas pour me la péter, vous dites, ouais, déjà, c'est 10 minutes là. Mais après, voilà, on découvre un peu. Là, avec la petite montagne et tout, les palmiers et tout. Le cadre est très sympa. Et le fait de rouler à 25 km/h, bah bon, ok, ça roule pas vite, mais ça roule déjà. C'est-à-dire que c'est quand même moins fatigant. Attention là. Merde. C'est con ça, qu'est-ce qu'on fait? On tente ou pas? Ah mais il faut que j'accélère peut-être. Oh il n'y a pas trop profond. Bon bah elle est bien hypée. Oh putain. Alors par contre elle est vachement basse. À chaque fois qu'il y a des... elle est vachement basse. À chaque fois qu'il y a des trous, des crevasses et tout, la béquille a tendance à toucher. Parce que la béquille est mal positionnée sur le côté et elle a tendance à toucher à chaque fois. Voilà. On a fait c'est l'aventure là. Après bon, c'était la route, donc on voyait bien que c'était un peu comme hier. Vous étiez là hier? J'ai fait une vidéo hier. Ouais, j'ai fait une vidéo hier quand je suis allé au Roster Café. Non, c'était dimanche. Oh, putain, j'ai pas de mémoire. Ouais, c'est dimanche quand je suis allé au Roster Café. Il y avait pareil un truc comme ça, puis il y avait toujours un petit peu d'eau. Alors il y a pas beaucoup hein, toi, il y a ça ou ça, donc bon bah là avec mon véhicule ça passe. J'étais pas confiant, mais ça passe. Bon, allez, on va rouler encore un peu, puis on se retrouve prochaine station dans 900 mètres, dans fond. C'est qu'à le dire, enfin à fond. Ah, regarde là, tu vois, comme je te disais, route, plus de route. Là, et plus de route. Tu vois, c'est si, encore la route, mais il y a de la terre. Ils sont en train de faire un chantier là, j'ai vu qu'il y a plein de camions. Ouais, avec mes pneus fat bike, ça passe. J'ai l'impression que ça passe super bien. Il est où le camion? Il arrive. À fond les ballons. Voir qu'il n'a pas l'air, d'aller beaucoup plus vite que moi. Vu que les routes sont fracassées là. Toi c'est étonnant, moi je peux passer à fond. Ou pas. Ouais, ouais. Petit saut. Oh là 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 là. L'aventure. À 25 km/h. L'action, l'aventure. T'as vu quand je fais le bruit, t'as quand même plus l'impression qu'il y a de la vitesse. En fait, il n'y en a pas. Mais, non, non, les gros pneus, c'est ma préférée. La petite, là, qui annonce 30 bornes, elle doit en faire 20. Petit moteur, elle ressemble trop à la Xiaomi 365 et tout. Pas assez puissant pour moi. Non, mais ça avance pas à 25, mais il y a un petit moteur de, je sais plus combien, 300 watts, je m'en plus de mémoire. C'est pas ouf. Là, oh, c'est sympa, hein. C'est joli, hein. Tourner à gauche. Il est où le camion? Il arrive. À fond de balle. Voir qu'il va pas beaucoup plus vite que moi. Là, petit saut. Hop là, c'est l'autoroute. Dans 600 mètres, tourner. Ouais, mais là, 600 mètres, moi. Il arrive avec son camion pourri. Ouais. Moi, 600 mètres, c'est 6 minutes. À la vitesse où je vais. Arrêter d'accélérer. Il est où? Il est derrière. Faut que. Il me fait peur. Il est joli. Il y a plein de jolies décorations, je sais pas, dans les maisons et tout, sympa. Un peu plus dans la pampa, comme ça. Ah, attention, là. Hop. Petit saut. Une vraie gazelle. Ah, c'est tout neuf, ça. Ouais. Il y en avait beaucoup, des petits des villages comme ça, avec des maisons neuves. Ah, on arrive là.
Ah, on arrive derrière le temps! Ben ouais, forcément, ben ouais. Et c'est évident. Ok. Bon, et après, à gauche, et puis, puis voilà quoi. Hein? Puis on est arrivé. Dans une heure. Combien de temps il me dit? Hop, petit saut. Il me dit dans 5 minutes. 5 minutes en vitesse normale. En vitesse de guerre. Ah, ils sont en train de... Waouh, ils sont en train de tout refaire. Ah ouais, c'est étonnant parce que vous avez vu, c'est la roue avant qui tracte. Donc c'est une traction. Et si c'est la roue arrière qui pousse, c'est une propulsion. Voilà, ça vous avez. Ça serait pas venu pour rien. Et donc du coup, oui, ça patine un petit peu de l'avant. C'est assez étonnant. Ah, dans 200 mètres tout droit? Ah ouais, j'aurais pas fait comme ça. Bon, bah, on va voir. À l'arrière. Donc ça, ouais, ça. Alors ça accélère de l'avant, ça patine à l'avant, mais quand tu freines, ça dérape de l'arrière. Très, très, très étonnant. Très beaucoup merci. Bon, bah écoute, c'est pas mal. Bon, on va aller voir. C'est peut-être le café que je connais. On dirait bien. Ça a l'air d'être en haut, à droite, dans une forêt. Ça me plaît bien comme concept. Voilà. Bon, bah. Tout à l'heure, il reste pas beaucoup, hein. Il reste 4 minutes. Tout à l'heure, il y a 3 minutes, il reste 5 minutes, tu vois. C'est bien la preuve qu'on a pas envie. Combien il reste kilomètres? 2 km 3. Ça va, c'est jouable. Arrivé, enfin bientôt. C'est un grand mot. 400 mètres tournés à droite. Alors, à mon avis, c'est là où je pensais. Et c'est pas trop là où je voudrais aller parce que la route est un peu dégueulasse pour aller là-bas. Donc, on va voir. Des fois qu'ils aient refait la route, ça serait un miracle. Mais la route était un peu miséreuse, tu vois. Et on a perdu une barre, hein, par contre, hein, depuis un petit moment, là. Je suis en train de regarder parce que c'est genre. Alors. Il nous fait rentrer par le village. Ah ouais. D'accord. Alors, il nous fait passer par le village. Bah, écoute, on va y aller. Ah bah on va aller voir, peut-être qu'il y a un café sympa. Voilà, on va y aller. Il va pas m'ouvrir ou pas? Ça décape? Oh, café? Café? Thank you. Je suis pas sûr qu'il ait compris, mais bon, t'es gentil. C'est dit l'autre, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Avec un mec avec une trottinette et tout. La vache, on le tremplin. Allez, on va bien voir. J'avais mon pote qui habitait là. Il serait de la vidéo, tu reconnaîtras. Il habitait au fond là-bas. Qui a craqué, qui a acheté un XADV. Voilà. Pas sur mes bons conseils, mais. Là, tournez à gauche. Sérieux? Tourner à droite. Putain la vache. Mignon ça, fais voir. T'es jeune, t'es vieille? Ouais. Ok, tournez à gauche et votre destination se trouvera sur la gauche. Sérieux? Fais voir. Là c'est non. Là, Flash Express, café. Ah, là et là, Hausse Café. D'accord, c'est là. Bah écoute, c'est nul. Écoute, c'est nul. On va passer par là ou pas? Ouais. On va pas... C'est nul. Il est nul ce café. Et beaucoup moins bien que dans mes rêves. Donc on va aller à celui qui est un peu plus loin. Ah, ils font chier avec leur chien, là. C'est bien comme petit village aussi, là. C'est un peu loin, hein, par contre, hein, par rapport à... Moi, je suis beaucoup plus proche de la civilisation. Bon, allez, on repart. Elle est vachement basse. On va ressortir du village. Enfin, on va essayer. Si l'agent de sécurité veut bien me laisser sortir du village. Bonjour, mademoiselle. Joli short, hein.
dit-il. Là et là, café, c'était pas terrible. Youh! Et après, on va tourner à droite et tu vas voir. On va y arriver. Cricket, tu crois que c'est là où ils auraient refait la route? Oui, c'est ça, regarde, Garden X Café. Ah, ils ont refait la route! Putain, trop bien! Avant, la route, c'était l'Ukraine, là. Ah, il est bien marqué, là. Garden Coffee. Bon, on va aller plutôt là-bas. Parce que là, l'autre, dans son village pourri, c'était nul. Hein. C'était vraiment le mec ou la meuf qui a fait son... C'est Leila. Princesse Leila. On va la retrouver. Ils ont vraiment refait la route. Non, ils ont pas fait la route. N'importe quoi. L'autre, elle avait une maison. Elle s'est dit, j'ai fait un petit café. Et puis voilà, les gens, ils viendront. Ils se perdront comme moi, tu vois. Mais comme elle fait aussi transporteur, machin, j'étais pas fan. Bon, là, avant, en moto, c'était... franchement, c'est l'enfer. En plus, c'était de pire en pire, si vous avez vu, comme il pleut, machin. Les routes, c'était vraiment pas terrible. Mais là, ils ont tout regoudronné. Enfin, ils regoudronnent pas, mais c'est du béton, ça, tu vois. Parce qu'ici, avec la chaleur, le goudron, il tient pas. Donc, ils mettent du béton. Ça tient pas non plus, hein. Mais c'est peut-être moins cher. Et comme ça, ils le refont régulièrement. Oh, c'est complètement différent avec une route. Plutôt qu'un chemin, un chemin faisant. Bon, il reste 25... Non, on est à 25. Il reste 3 bars. On a roulé quand même avant. On a fait 7 bornes, mine de rien. Parce que je suis allé, je suis revenu et tout. On a fait combien à l'aller? À l'aller, on avait fait 11 km. Plus là, on va faire... Je sais pas, peut-être 9, hein, le temps d'aller jusque là-bas. On aura fait 20 bornes, c'est-à-dire presque la moitié de l'autonomie théorique, quoi. Donc on va aller jusque là-bas, on va se poser, on va prendre un petit café, enfin un petit mocha, surtout là aussi, ils ont fait un petit café. C'est pas exploité, mais il y aurait moyen. Siam Bugs. Bugs, tu me regardes, voilà, voilà, c'était là le délire. Ou la route... Voilà, la route a été comme ça avant. Voilà, avant c'était tout comme ça. Donc là, il y a quand même la moitié de la route qui a été refaite. Même là, là ça va. Cette partie-là, elle n'avait jamais été trop vilaine. Elle est bien cette trottinette parce que elle est très polyvalente. Et ça sera un peu le bilan, tu vois, que je ferai dans la review, c'est que je la trouve plus polyvalente que l'autre. Alors ouais, il y a moins de suspension, c'est moins confort. Mais avec ces gros pneus, tu peux dire, ouais, voilà, je peux aller un peu en mode off-road, quoi. Tu vois, je peux sortir des sentiers battus, c'est le cas de le dire. Après, si on pouvait faire au moins 40 bornes, ça m'arrangerait. Ça m'éviterait de m'arrêter pour soit recharger, soit appeler un taxi. Ça me dit rien, hein. C'était aussi loin que ça. Ah oui, c'est ça, c'est là. Il faut y venir. Et je peux dire, faut avoir confiance. Hein. Faut avoir la foi. Hein. Faut vraiment dire, il y a un café, j'y vais, quoi. Parce que là, vraiment, la route, c'est l'enfer, quoi. Allez, on va se mettre là. On va se garer là-bas. Vous avez vu, j'ai bien le droit pour ma casquette. Il y a un support. Voilà, allez, on va se mettre là. Ouf, on va se mettre ici. Et puis, on va aller boire un petit café. Voilà, ça va détendre un peu. Bon, combien on a fait 8 km. Donc 8 plus les 11. Putain, ça glisse par terre, un truc de ouf. 8 plus les 11. 19. 19, pas mal. Moi, je dis pas mal. Voilà. Bon, bah, on verra. Je vous dis ça tout à l'heure et tout. Après, je pourrais faire visiter le café, mais c'est sympa, hein. Attends, il y a plein de verdure. Après, tu peux aller derrière, là, tu peux longer. Il y a plein de tables et tout. Très joli, voilà. Moi, je bois un café ici et... Je voulais pas faire de story, tu sais, je voulais pas faire de story, puis je me disais, ah, fais chier et tout. Bah, en fait, je peux vous faire voir avec la caméra, là, comme vous êtes là. Alors, c'est assez joli, hein, pris le petit café ici. Alors, faudra mixer, voilà, le contenu, faudra mixer avec Instagram et tout, tout. C'est très joli ici, et tu peux aller aux toilettes, et tu peux aller jusqu'au bout, là-bas, et puis il loue des petites chambres et tout. Alors, le problème, c'est qu'il y a une espèce de voie rapide qui est en train d'être construite derrière, là, qui gâche complètement le côté sauvage. Tu vois, là avant, tu vois, c'était vraiment, quand tu fais voir là, si t'enlèves le son, tu vois, c'est vraiment la jungle. Ici, sympa, il y a les toilettes et tout, tu vois. C'est quand même très joli. Puis là, tu vois, ils ont une espèce de construit, un espèce de machin là, une espèce d'autoroute. Et je crois les toilettes, faut aller là-bas et voilà. Petite balade à faire, voilà. Bon, on va prendre la trottinette. On a fait 19 km et il en reste autant.
Il en reste autant, parce que malheureusement, on est, enfin, heureusement, heureusement ou malheureusement, on est un peu loin. Et il nous reste au moins autant de... Attends, je vais regarder avec le GPS, map. 13 km. C'est pas mal. C'est pas mal si on fait 13, 19 plus... chien. Voilà, gentil. Gentil le chien. 19 plus 13, ça fait 20, 32. Ça ferait 32 km. C'est rigolo, hein. C'est rigolo comme... C'est vraiment la jungle. J'adore. Bon, après, il n'y a pas de singes et tout. Là. C'est plus dans... Ils sont plus en mode resort, tu vois. On voit, tu vois, là-bas. C'est quoi? C'est des chevaux? C'est un cheval. Un cheval des chevaux. La dernière fois, j'ai fait l'article le matin, l'article le dimanche matin. Il y a, c'était à la base, c'était un... Il bat son rival. Après, je dis, bah, c'est rival, tu vois. J'ai pas capté que oui, vous me mettez ses rivaux. Cheval, les chevaux. Mais tu sais, par là, par genre, c'est rival, jamais, je sais pas. Non, il y en a plusieurs, je mets un S. Puis après, j'ai enchaîné sur mon article et tout. Puis voilà, on va bien faire remarquer que ça a piqué les yeux de certains. Ah bon, c'était dimanche, hein. Faites des articles 7 jours sur 7 depuis. Ouf, je sais pas combien, au moins 10 ou 15 ans. Et puis on en reparlera. Elle était poule. Sont rigolos ces poules. Elle est bien chevelue l'autre là-bas, hein. Une grosse poule poilue. Bon, voilà, la trottinette est ici, on repart, il reste 13 km. On est pas mal, le casque aussi, le chien, tout le monde. Très très chien friendly. Hein. Voilà, allez, c'est reparti. Alors, on va essayer d'accélérer un petit peu. Voilà, petite accélération, petite vitesse. Bon, alors d'accord, même si la VMAX elle est pas folle. Là, on pouvait prendre à gauche, là. Vous arrivez au bout de la voie rapide et tout, mais bon, c'est pas aller vers le nord. C'est comme si je sortais du café, là. Ah, le nord, ah ouais, bah là, alors. Laisse-moi regarder, il est où le soleil? Ah, m'a vraiment pris pour un navigateur, elle. Là, c'est bien, une petite vitesse comme ça, 15 aussi. C'est pas mal. Voilà. Tout le monde me regarde comme un fou. Même les gamins, ils se foutent de ma gueule. Enfin, il y avait les petites gamines sur une moto, là, tu sais, avec leurs parents et tout. Là, bon, regarde, elles rigolent. C'est vrai que, bon, déjà, parce que j'ai un casque trop stylé, mais ça, c'est un autre problème. Et ensuite, bon, là, il y a le petit côté trottinette. Là, il y a le côté 1, je suis un étranger, déjà. Après, bon, le côté trottinette, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Et après, j'ai un casque. C'est vrai qu'il est joli, mon casque. Kerboul. Alors Kerboul, on avait dealé déjà pour ce premier là, puis après je sais pas qui que j'ai eu là, j'ai voulu les contacter en direct et tout, et ça s'est pas très bien passé. Alors elle voulait plus que je me tatoue Kerboul sur le front quoi. Ah mais non, mais si vous tatouez Kerboul sur le front, là d'accord, on vous enverra des trucs, mais sinon non. T'sais, c'est de la mise en avant. À chaque fois je fais les vidéos avec, les gens regardent, et il est bien ton casque, dans la description il y a le. On voit que c'est un Kerboul et tout, c'est. Ben moi je trouve que c'est un beau placement de produit. Enfin bon, les Chinoises ont un peu de mal avec le business des fois. Voilà. C'est combien tu vas vendre? Combien tu vends? Combien tu mets de. Tu fais la pub, tu vends, là d'accord, mais tu vends pas. Donc, 13. Combien il a dit? 12. 12 minutes, non. Non, il reste que 6 km là. Oh, il en reste moins qu'escompté. Là c'est bien, heureusement qu'ils ont refait la route, hein. S'imagine tout le long comme ça là, avec les cratères et tout. Belle promotion là. Alors là, il m'annonce que 6 km. Bon, 6 km, il me reste que 3 bars en même temps. Hein. C'est pas la fête atomique. Hein. Hey! Il me course encore ce bâtard. Culé. Tout à l'heure, il y en avait deux là. Ils étaient. Ils étaient là, tu sais, sur mes roues là. Je gueulais comme un putois. Putain, casse-toi! Oh, cheval! Alors, des fois, à un moment, là-bas sur le côté, il y avait des éléphants. C'est assez rigolo. Parce que oui, chez vous, des fois dans les champs, il y a des vaches, nous, il y a des éléphants. Voilà, il suffit parce qu'il y a un village d'éléphants pas trop loin là. Et des fois, bah voilà, ils les posent là, les éléphants tranquilles, ils mettent dans un champ pour se reposer. Bon, que 7 km, c'est pas beaucoup, hein. 7, on a fait 11 et. On a fait 19. 19 et 7, ça ferait 26. Pas mal déjà.
permettrait de voir un peu où on fait un petit détour. Où on fait un petit détour. Bon, je pense qu'on va faire un petit détour. Hein. Parce que là, on arriverait trop tôt. Hein. Si je mets là. Si je mets celui-là, là. Putain, j'arrive pas. Ah, parce qu'il est encore en train de rouler. Elle s'arrête pas. Mais oui, il faut que je mette un petit coup de frein. J'étais en train de me dire, putain, mais ça s'arrête jamais. Non, en effet, elle s'arrête jamais. Alors, attends, je vais m'arrêter là. Putain, ça a tout niqué. Le bruit de la mort. Si je vais plutôt par là. 6 km, pareil. Ah, encore un tic-toc. Allez, on va essayer. J'ai pas trop envie d'aller par là-bas. Hop là. Allez, c'est Tipa. Ah, il y a un endroit, je peux couper à droite, j'ai jamais fait ça. Ah bah ça permettra de... Oh, qu'est-ce que ça me manque, le rétro. C'est vrai que je suis parti un peu comme une fleur. Ah oui, j'ai pas les gants, truc, la veste et tout, ouais, ça va. Là, 25. À part si je me fais attaquer par le gros chien, là. Il me regarde. T'es trop gros, mec. T'es trop gros pour courir. Je suis désolé, hein. Ah, c'était par là. Alors, attends. Il y a plein de chiens. C'est ouf. C'était par là. Il y a une petite route, là. Enfin. J'ai bien arrivé à me faire croquer, ouais. Voilà. Ouh, putain, la récupération d'énergie, elle est folle. Cherche la merde, hein. Vous allez dire. Et là, ils vont dire, cherche la merde, parce qu'il faut les petites routes comme ça, là. Dans 300 mètres, tourner à... À quoi, 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 à part centrer, là. Je sais plus. Avec la vitesse où j'arrive, là. T'as vu, non, mais j'ai quand même réussi à louper la route. Ah, putain, je me suis défoncé la main. Ah, sur le truc, là. Et on réaccélère. Ouh. Parce que j'ai le micro juste devant le petit voyant rouge. Là, et tourner à droite. En même temps, j'ai le compteur ici. Hein. On verra combien on fait de kilomètres au total. Ah, je me suis fait mal. Regarde là. Tu sais, ça m'a enquillé dans le support. Même si je suis équipé. Mais en fait, le truc pour mettre au téléphone, il n'y a pas trop d'endroits. Alors là, mon pote, je sais pas où on va, mais on y va. Ok. Putain, nous fait vraiment couper par par la jungle. Là, cette route-là, j'ai jamais prise, hein, pour de vrai. Ouais, c'est bien. Ça permettra de couper un peu. Je crois que c'était un chien à droite. Putain, faut que j'arrête de boire. Mais non, c'est les feuilles. Psychote. On voit des chiens partout. Bon. Frimeuse, Vegit Trans. Tournez à droite. Ok. Oh, joli petit lac là, regarde. Enfin, c'est, soit c'est inondé, soit c'est un lac, soit c'est inondé. Là, alors là, hop, là, à fond, hein. À fond. Voilà, à fond. Voilà, tournez à gauche. Ok, pourquoi pas. Je sais pas du tout où on va retomber là. C'est vraiment la grosse surprise, on va tomber dans un endroit que je connais, c'est obligé. Mais là, comme ça, à froid. On va se mettre sur la piste cyclable. Comment ça, c'est pas une piste cyclable? Taf. Écoute, regarde, là, c'est la route. Là, c'est la route cyclable. Pourquoi elle s'arrête? Oh, c'est vraiment cheap, hein. À chaque fois, il y a des endroits où là, tu passes, je dis quand même... C'est pas beau, merveilleux partout, quoi. Il y a... Là, c'est le bordel, là, putain. Là, c'est le bordel. Là, toi, il y a des trucs tout neufs, puis il y a des trucs, c'est plus... Il y a un peu tous les niveaux, hein, tous les niveaux de vie. Ah, il y avait une station, là. Ah, peut-être qu'elle va ouvrir, hein. Ça a pas l'air... Là, une espèce de petit resort. Tournez à gauche. Allez. Ça, on peut là, une espèce de petit 7-Eleven. Enfin, c'est pas un 7-Eleven, mais t'as compris, c'est... Hop là. Vas-y. Je crois que je suis passé par là la dernière fois quand on a été au... C'était en vélo, je crois. On avait fait le... On avait fait un café, il y avait une riserie à côté. Bon, on roule pas vite, mais on balade. Ce qui est quand même un peu l'essentiel.
Bon, c'est vrai que si, comme il annonçait, on fait 7 bornes, oh, on aura fait presque. Oh, il nous reste, on est au 3 quarts, hein, parce qu'il nous reste encore 3 bars. Il nous reste 3 bars. Si on a fait 20. On aura fait 19 et 7, 26. 26 km, c'est pas mal pour une petite balade aujourd'hui, à savoir qu'il en reste. Hein. Il en resterait. Je pense qu'on peut faire 40 bornes avec. On verra si. S'il me donne raison ou si on arrive à la fin et. Ça va tous casser la gueule d'un coup. Tournez à droite. Alors, j'aimerais bien regarder un peu où on est. Attends, je vais m'arrêter là. J'aimerais bien m'arrêter. J'aimerais bien tourner encore un peu. Si on continue. Ouais, elle est bien sa route là. Ouais, c'est pas mal. Ouais, marque, ouais, c'est bon. 5 km. Ouh là, putain, t'as vu, regarde, je faisais le malin. Je faisais le malin avec mes barres de rire. Mais on est tombé à 2 barres. Alors encore une fois, c'est un tensiomètre. Hein, c'est un tensiomètre. Tournez à droite. Voilà, c'est un tensiomètre. Ça veut dire que bah, si la batterie, comme la tension chute, forcément, au bout d'un moment, eh ben, le mètre aussi. Mais là, autant, dès que ça va redescendre, parce que là, ça monte, donc forcément, on tire un peu sur la puissance. Qu'à de le dire. Il y a de la puissance, hein, arrêtez de foutre de ma gueule. Hein. Il y a quand même 500 watts et après ça va pas vite, mais il y a de la puissance. Mais après, dès que ça va descendre, tu vois, il suffit que ça descende un peu et éventuellement alors, qu'on freine, alors là, je peux te dire, pff, je vais à Bangkok sans m'arrêter. Peut-être faut faire pipi un petit peu. Et puis charger. Et puis mettre quelques charges. T'as des lotissements tout neufs là. Hein. Je sais pas si c'est des lotissements ou. Je sais pas où on va, mais on y va. Un espèce de village tout neuf, là. Ça va faire de jolies maisons, là, aussi. Hein. Après, quand tu rentres un peu dans les terres, comme ça, il y a moyen de trouver des petits villages vachement sympas, tout neufs, avec palissades. Ah, ça, non, c'est vraiment des tout petits villages, et pas... Les palissades. Contemporain. Contemporain living. C'est exact. C'est tout moi. C'est exactement ce qu'il me faut. Pas mal. J'ai vu cette maison là-bas. Ça fait des petits. Il y a des petits châteaux. Mais non, mais ça c'est. Moi je trouve le design très très sympathique. Petite maison. C'est des petits. C'est des domaines là. C'est pas possible. Alors c'est des. Ça c'est des villages. Mais ça fait plein de petites maisons. Bien fermées. Tout est comme si on était dans la. Au Brésil. C'est complètement fermé les mecs avec les caméras et tout. Ah, ça se trouve c'est un gros truc VIP, tu sais, pour les. Soit la famille royale, soit pour les VIP. Bon allez, on descend. Regarde l'arrière. L'arrière, à fond. À fond. Et arrière. Ah, c'est le golf, je crois. Ah, ça doit être le golf, à mon avis. Tara, Pratana. Il y a une école, là. Car park. Je sais pas, là il y a l'école et là-bas il y a les maisons. On freine. On freine mais on récupère de l'énergie surtout. Ah oui, on retombe là, d'accord. Ok. Oh, et, après là il y a encore une petite montée sympa et après c'est de la descente, on est arrivé après. Ah tout droit là, tu reconnais. On est arrivé là tout à l'heure. On est descendu là et après nous on a tourné sur le côté là. On aurait pu faire un petit détour, c'est sûr. Par le lac et revenir par là-bas. Mais bon, on n'en est plus à faire des détours. On en est à espérer rentrer à la maison sans appeler un grab. Voilà. On va tous les laisser passer, là. Les cow-boys. Tu fais mal, hein. Tu fais mal à la main. Alors, pas mal de... Je vais pas mourir, hein. On est d'accord. Voilà. Petite douleur. Persistante. Alors, on va laisser passer. Putain, ça freine bien à l'arrière, regarde. Alors. Ah putain, il y a des bagnoles partout là, c'est les Champs-Elysées. On va se passer le motard. Ça c'est bon. Mais oui, t'es belle. Oh là, qu'est frimeur. Qu'est-ce que je ferais moi? Bon non.
Bon, allez, on va aller jusque là-bas en haut, puis après, comme ça, on attaquera la descente, après, ce sera de la récupération d'énergie. Et un joli short, lui aussi, allez donc. C'est un short de piscine, ça, monsieur, c'est pas un short pour aller dehors. Au plus haut. Au plus haut de la montagne. Et c'est vrai, quand on regarde, on n'est plus qu'à 45 volts. Freiner. Ici, hop là, hop là. Il n'y avait plus qu'à 45 volts et c'est vrai que c'est pas. Il passe. Oh boy. Moi je roule tranquille. Non, je déconne, je suis à fond. Je veux pas aller plus vite. J'irais bien aller plus vite, hein, mais non. Enfin, quoique tout à l'heure, là, il y avait une espèce de petit faux plat en descente. J'ai fait du 28. 28 km/h. À fond. Vous voyez, là, on est tombé à 45 volts, je crois, on est parti, on était à 50 ou 55 volts, je crois. Donc, forcément, ouais, quand ça va monter, bah, on va tirer sur la batterie. Puis là, comme ça, quand ça va descendre, bah, c'est plus sympa. Personne n'a de casque, hein. C'est fou. Hein. Après, nous, on est de l'autre côté, il y a la soucoupe vite qui part de Bangkok et qui descend jusqu'à je sais pas où, là. Qui est vraiment une espèce de frontière. Une espèce de frontière naturelle, mais aussi un peu magnétique et ésotérique aussi, tu sais, on le sent bien, parce que par exemple, des fois, à gauche, la soucoupe vite, il fait beau, et à droite, il pleut, mais tu sais, c'est vraiment la frontière, quoi, des fois, c'est assez étonnant, et puis, il y a vraiment Pattaya, qui est de l'autre côté de la soucoupe vite, les bars, la fête, tout ça, et de l'autre côté là, où, tu sais, quand, des fois, moi, je dis, ouais, mais j'habite... à Pattaya Est, donc derrière la soucoupe vite, on me dit oh là là, c'est loin le Cambodge. Je veux dire, je suis à 7 km de Jontième, c'est pas en scooter, ça va bien. Et puis on est vite à Pattaya, quoi. Je suis vite à Bixé Extra et tout, mais il y a cette espèce de barrière psychologique de la soucoupe vite qui dit quand tu habites derrière la soucoupe vite, tu habites loin. Voilà. Et mais ça, on le voit des fois à la pluie. Hein. Bon, il pleut sa mère et tu regardes Pattaya, il pleut pas. Et elle doit avoir des pouvoirs magiques. On essaiera de démontrer ça plus tard. Bon, on va... avance pas. J'ai envie de rentrer à la maison. Hop, petit saut, hein. Je suis une gazelle, je t'ai déjà dit. Tu m'as pas reconnu, hein. T'avais oublié. Alors là, pour le coup, en fait, j'ai beaucoup de vidéos à faire parce que j'avais la... Putain, merde. Putain, mais les routes étaient défoncées là. Il y avait la Navi. Là, c'est la N65, je crois. Donc j'avais la. Non, c'est la N65. Donc j'ai fait la S65. La N105. Donc à mon avis, je vais les mettre à la queue leu-leu parce que. Parce que. Faut que je les mette à la queue leu-leu. Parce que. Après, j'ai déjà fait les trottinettes avec la 8000 watts. Putain, j'ai vachement d'avance sur WTS. Hein. Je peux couper par là. Je m'en rappelle maintenant. Oups, on va laisser passer avec son gros camion. On va gagner un peu des kilomètres. 6. Puis on va retomber, puis on va se garer en face du village. Et ça permettra de faire un petit bilan qu'on peut déjà faire un peu sur la route. Bon, moi, je... Détroit, c'est ma préférée. Hein. Vraiment. Oh, prêt à me croquer. Hein. C'est ma préférée, hein, Détroit, parce que... Alors, apparemment, elle a moins d'autonomie que l'autre. Après, encore une fois, ça s'explique, hein. Elle est moins ergonomique, elle a des gros pneus, et des gros pneus, il faut les tirer, hein. Il faut, non seulement au démarrage, c'est pour ça que tous les petits, les mecs ont tous des petits scooters avec des pneus, tu sais, des roues super fines et tout, pour, ça va plus vite, il y a moins de pénétration, il y a moins de contact au sol et tout, donc forcément, tu consommes moins, voilà, donc tu dois faire plus de kilomètres. Mais celle-là, elle a quand même le côté beaucoup plus polyvalent, où il n'y a pas le côté Xiaomi, il n'y a pas le côté suspension et tout, mais avec ces gros boudins. Oh, les sourcils, je sais pas si vous avez vu les sourcils peints à la main. Il faut tourner à droite. Attention. Oh putain la vache. Ah, je me suis défoncé le bras. J'ai tout pris dans le bras. Je suis pas tombé, mais j'ai tout retenu avec le bras. Alors là. C'est moi ça tout à l'heure. C'est mes traces. Je les reconnais. Je les reconnais, les grosses traces de 3 pouces de large. Elle a ce petit côté polyvalent.
Ou ben voilà, là tu vois, tu peux sortir un peu. Alors c'est pour faire de la ville, on est d'accord. Ça servira à rien. Mais comme là, tu vois, avec des petits chemins de terre et tout, les pneus sont plus rassurants, plus stables, plus rassurants et tout. Donc, mais tu vas perdre l'autonomie. Après, on peut pas tout avoir, hein, madame. Ah oui, ça tire de l'avant. Plus stable, plus confort et tout. Mais voilà, l'autre et la suspension, c'est vraiment deux trottinettes qui sont complètement différentes, mais qui répondent vraiment à deux besoins. Moi, je kiffe plus celle-là en utilisation. Alors j'aime bien ma... Je vais mettre là, je vais me faire un... Et où mon bilan ? Elle va se garer là. J'aime bien la S... Bon, je pourrais en faire dans le village. Hein. J'aime bien la... Attends, je vais mettre là-bas. J'aime bien les 8000 watts et les 10 000 watts et tout. Mais on est plus sur de la... On est plus sur de la moto. Tu vois, truc puissant, moto et tout. C'est moins pratique, tu vois, pour aller au 7-Eleven pour faire des petites courses. Là, on fait une petite course, toi, tu dis, voilà, machin, là, moi, toi, je sors du village, là. Il y a le 7-Eleven qui est là-bas. Et voilà, c'est plus pratique. Je la trouve plus stylée, toi, avec les avec les tubes. Toi, les gros tubes comme ça et tout. Les gros pneus et tout. Elle est très sympa aussi, hein. Après, j'aime beaucoup la... ça, c'est la N. Pourquoi j'ai mis les feux, là? J'ai dû appuyer, enfin. Non. Comment on peut éteindre les feux? Ah, c'est mis en mode piéton. Non. Voilà, ok. Là, c'est les feux, ok. Et là, c'est deux. Et là, c'est trois, voilà. Ces deux trottinettes sont complètement différentes et tout. Là, pour faire des petits trajets et tout comme ça, c'est pas mal. On a quand même fait... là, on l'a pas arrêté, mais on a quand même fait 7 km. Donc, 7 km plus les 19, on a fait 26 km. 26 km et il reste 2 barres de batterie, donc on va pas être non plus présomptueux en disant on va faire 26 4 km, c'est sûr, 30. Moi je dirais non, on a fait attends, j'ai n'importe quoi. On a fait 11 plus putain, j'ai oublié. On était à 19. 19 plus 7, 26. Moi je dis 30 35 tranquille hein, 30 35 km tranquille. En savoir que ça montait, que ça descendait, c'est plutôt pas mal, hein. Moi je dirais 35 km maximum, c'est bien, bon, on est loin des 65 qui sont annoncés, mais encore une fois, gros pneus, moins ergonomique et tout, mais que la consommation d'énergie, si on prend le fait que la batterie ne fait que 12 ou 13 ampères-heure, c'est pas mal, hein, c'est vraiment bien, voilà. Bon allez, ça sera le petit complément vidéo pour la review, bonne journée à tous, forcément je vous kiffe, moi je vais me reposer un peu, fatigant cette histoire.